Bonjour et bienvenue sur MyTVGeek pour cette sixième vidéo sur Watch Dogs. Donc je suis toujours Pacbo57 et toujours en compagnie de Steel Sniper. Comme d'hab. Et comme d'habitude, je vais rattraper parce qu'il fait n'importe quoi. Mais non. Regarde l'état de la voiture. Je te l'ai donné il y a 10 secondes, elle était en bon état quand je te l'ai donné. Quelques rayures à tout casser. Tu vois, c'est une Lambo. Oui, elle a tout cassé. Non, dans les commentaires, pour putain, vous, c'est une Ferrari. C'est Lambo ou Ferrari, ça, pour les commentaires? Moi, je dis c'est Ferrari. Bah, moi, je trouve que ça ressemble à une Lambo. Les Lamborghini n'ont pas un avant comme ça, elles ont un avant plus pointu. Là, il est arrondi, l'avant. Mais non. Ou alors, ça se ressemble de plus en plus. Non. Prochain virage, tourné à droite. Ouais, je trouve que ça manque sur les jeux de type comme ça. C'est un GPS qui parle, parce que souvent on parle. Il y a dans GTA V. C'est vrai, dans GTA V, ouais, ils ont mis un GPS qui parle. En anglais. Oh merde. Moi je comprends, toi t'es qu'une quiche. Si, tourner à droite, tourner à gauche, quand même, c'est pas très compliqué. Ni vu ni connu. On a vu du coca il y a 5 minutes. Même pas il y a 5 minutes. Hein, et ça a tendance à ressortir. Tout ce qui rentre doit sortir. Comme ta bite. 18 plus, mec. Sors de cette vidéo, tu n'es pas 18 plus. Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord, je vais jouer le jeu. Un petit peu d'énigme, c'est pas pour toi de toute façon. Quoi, le deuxième coup, j'ai réussi parce que c'était juste le temps que je me mette dans le bain. C'était juste tout simple, le deuxième coup. C'est quoi ce bruit? Je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui a respawn dans ma sous ma bagnole. Tu crois? Possible. Ah non, c'est pas grave. Tu te mets au milieu comme ça si... Si je dois repartir, je peux repartir. Parce qu'il me semble que je dois repartir vite. Oui, bah, je spoil. T'aurais dû tout de suite la mettre dans le bon sens alors. Je repars dans le sens que je veux, et si t'es pas content, c'est la même chose. Bah, si je dois encore rattraper ton coup. Pourquoi mon coup il va très bien hein. Qui a dit que j'arriverais pas à la mission alors que j'ai réussi du premier coup limite, mais j'ai réussi. Mais t'as pas réussi de manière discrète. Les flux sont fractionnés. Et toi, t'es mort. Il doit y avoir deux termes. Oh, je suis mort. Ta gueule. Oui, y a... Non, vous inquiétez pas, y a pas de. J'aime bien les ascenseurs disposés comme ça, normal. Pif, il y a une caméra normalement. Putain, c'est vrai que ça c'est la merde. À droite, en haut là, en haut de l'ascenseur, je parie. Ouais, mais. Attends, je chope la caméra. J'ai quoi en main? J'ai le fusil d'assaut. J'aime bien celui-là. Et je le trouve stylé. Merde. Oui, je peux activer, s'il vous plaît. Je peux? Ou... S'il vous plaît. Oui, bonsoir. Approche-toi plus. Encore? Putain, attends. Je suis le câble pour voir où ça mène. Ça mène à la suite. Toi qui as fait ça? Je pense que par erreur, oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? Activé, c'est une balise de sécurité. Un réseau interne. Oui, c'est un réseau interne. Peut-être que je l'active par cam. Sale bing. Il y avait une pro. Ouais. D'accord. Ah, il y en avait un de chaque côté. Oui, il a dit qu'il y avait un double flux. Tu n'écoutes donc pas le personnage? Non, il a dit que le réseau était fractionné. Pas oui, qu'il y avait un double flux. Si, qu'il y avait deux appareils puisqu'il y avait un double flux. Alors pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que je comprenais pas ce que t'essayais de faire. Lorraine? Non, c'est même pas la peine de relever le niveau, de toute façon il n'y a pas de niveau à relever.
Comme toi. J'ai quand même hâte que GTA 5 sorte sur PC. Ce sera bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Bellwether? Ouais. Moi je dis, c'est à réécrire la formule. Ah ouais, l'ordi portable, il a un truc qui se déplace comme ça, hein. Qu'est-ce que tu voulais faire? Le Merlot. Comment on clique déjà? Non, ça échappe, mais comme il parlait... C'est je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. T'as pas remarqué que t'as quelque chose derrière toi? C'est quoi ça? Là, on a les... C'est une bagnole. Oui, mais le c'est... Ça, c'est les bornes. Attends. Tu me laisses... Explique-moi juste une chose. Ça, c'est les méchants. Ouais. Mais c'est pas des policiers. Ma voiture! Non, sur l'autre. Non, c'était là, ennemi. Ça va, t'as de la chance. Vas-y, fais sauter! Y'a rien à faire sauter. Protection à lever. Là-bas, c'est à faire exploser. Et là, c'est près de ma voiture. Pas grave. Ça y est, trois qui se pointent. Pas une distraction à faire avec ce truc. Enfin, pardon. Excusez-moi. Oh! Faire exploser. Il avait une bombe sur lui ou quoi? Ouais. Donc c'est bien ce qu'il disait, avec les explosifs, maintenant tu peux tout pirater. Ça tombe comme des mouches. Et t'as pas encore bougé le petit doigt. Bon allez, fais exploser. Non, il y a ma voiture. C'est pas grave. Non, une voiture c'est une voiture, surtout une voiture comme ça. J'aime bien le mec qui se fait abattre et qui se retourne. Baisse-toi. Personne m'a vu. Non. Personne m'a vu? Pas encore. Tu t'imagines la protection se referme? Hein? Ça serait mortel. Quelqu'un m'a vu. Je surveille. AV. Attention, t'as un laser qui pointe. Je peux tenir 3-4 balles de sniper normalement. Merde, mauvais bouton. Cram. Ma voiture! Je t'avais dit de la mettre dans le bon sens tout de suite. Je pensais qu'on pouvait partir par l'autre côté. Mais... La protection, ferme la protection. Ah ouais, là ça va être dur. Et les bornes, ça elle m'empêche de dessus. T'as fermé les bornes? Oui. Pourtant il y a une voiture qui vient à droite. Attention, droit devant. À droite, je sais pas ce qu'elle fait, elle zigzague. Elle a failli te voir. T'es presque sorti de la zone. Continue tout droit. Vite. C'est bon. Je suis garé au milieu de la route. Oh la vache, que ce soit une Lambo ou une Ferra, elle a plus ni poitu ni arrondi là où elle est complètement emboutie. Bon, va falloir passer chez le carrossier. Hop, ouais. Donc là, on devait débloquer quoi? Pour aller voir Damien Branks, celui qui a piraté avec nous le Merlot. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Dont moi? Mais non, j'ai suivi l'histoire, mais sur le coup, j'aime bien ce que les phares, l'éclairement des phares est toujours normal, alors que les phares ne sont plus trop non, mais ça, c'est... là. Non, mais j'ai connu des jeux plus réalistes au niveau des feux, quoi. GTA. Ouais, pour une fois, GTA, sur ce point, ils ont été réalistes. Par contre, GTA, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le 4. La tenue des véhicules. Non, c'était pas ça, c'était la physique des véhicules. Tu tapais l'avant, t'as le cul qui se rétractait. J'avais des bugs comme ça. Oui. Moi, j'ai joué chez mon cousin, donc j'ai pas... C'était vachement bizarre. Chope-le. Ça s'appelle la conduite économique, je n'accélère pas. Avec le V6, le V12, que tu n'accélères pas ou pas...
finir à sa pince. Yého. Ouais, et. Ouf, aïe, le vocabulaire, ça fait tellement mal. Enfin, le. Le. Ouh, un SMS après l'autre. Vaut mieux, parce que vu la difficulté qu'ils ont à écrire un SMS. Ouh, la ça, bouteille. Alors, hein. Comme il est malin. J'ai mal tourné. Salut, Damien. Dis-moi quand je t'ai manqué. T'as demandé à Starry d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien? Je suis à moitié bourré. Il est toujours aussi sinistre, Aiden. Putain. Jamais tu te détends, toi. Hein. Je veux retrouver mon partenaire. Moi sur l'ordi, et toi sur le terrain pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose. Des réponses. Qui nous a attaqués? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan en or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin. Il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, quoi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié! Ils m'ont tout pris! Tu sais si. C'est ça qui me suit. J'ai pas besoin de toi. Il est taré! Je prie juste pour qu'on, qu'on joue pas avec lui après. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment trouver. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas besoin de toi. T'en vas pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris m'excuserai. À les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. On a le droit d'avoir soif. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Léna, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Bon, toi, tu t'appuies autant que moi sur la table, premièrement. Je compte appuyer. On arrête ici? Parce que là, on a déjà fait un bon bout de vidéo. Ouais. Je pense qu'on peut pas, ouais. Donc, on se laisse ici. Donc, bon, bah, à la prochaine. C'était la 6ème vidéo de MyTV Geek. Bientôt la nouvelle, la 7ème. Salut. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait le même nombre de vues sur la première et la dernière vidéo.